ne sais pas comment elle va faire. Elle n'a pas d'endroit où aller. Elle est dans cet appartement depuis 10 ans et son logeur veut la mettre à la porte. Mais en quoi ça me regarde? C'est pas mon problème. Ça pourrait l'être. Moi, je rase mal quand j'ai des ennuis. Pensez un peu. Je ne peux pas la laisser comme ça. C'est ma belle-sœur, alors. Avec ses 3 gosses, toute seule, je ne peux pas la prendre chez moi. Vous devez connaître son propriétaire, j'en suis sûr. Ça, j'en doute. Qui est-ce? Saléron. Vous savez, le prêteur. Celui-là, je le connais. Voilà. Tu sais ce que je ferai un jour? Vous irez rendre visite au prêteur. Hein? Je prêterai moi-même de l'argent aux autres. Salut, mets ça sur mon compte. Ah, bien sûr. Vous savez, j'ai rêvé de vous cette nuit, monsieur Garmignard, je vous assure. Salut. Dieu te protège, Garmignard. Je prie toujours pour toi. Regarde. Et qu'est-ce que ça fait ici? Non, mais c'est une toile de valeur. Une œuvre signée de l'artiste. J'ai pas eu ça à l'œil, hein. Et puis c'est mon anniversaire. Considère ça comme un cadeau, mais n'apporte plus rien. J'aime pas les croûtes. Ah, Gardenia, t'es mon meilleur pote, tu sais. Sénateur. Bordeaux 73, pas mal. Gardenia, c'est un côte du Rhône. Ah, c'est toujours du vin, non? Pour un non-connaisseur, une rose est une rose et c'est tout. Ce qui compte, c'est la date qu'on peut lire sur l'étiquette. Ah bon? Je sais pas pourquoi, il me fait tout goûter. Je n'y connais rien du tout. Eh oui, votre père le faisait et lui, il savait les reconnaître. Ouais, je sais, ah oui, monsieur, oui. La couleur, le goût, le bouquet, l'année. Les ventes au cours de cette année ont presque doublé, ce qui fait un beau paquet de dollars. Et les revendeurs, si on les prend ensemble, on fait plus de fric que la General Motors. Alors, mon avis est qu'il y a trop de petits revendeurs qui sont indépendants dans le pays. Il y a trop d'argent à faire en ce moment avec la DOP. Il faut laisser ça aux professionnels qualifiés. La moitié des revendeurs est accrochée à la même cam. Il faut qu'on arrive à les convaincre, les organiser d'abord et s'asseoir dessus dans un deuxième temps. Il y a des millions à ramasser dans ce coup-là, et pas difficile. On partage le paquet moitié-moitié. Une moitié pour moi et une moitié pour vous. Des questions? J'ai rien en principe contre le contrôle des dealers. Pour ça, je marche. Mais tu sais, je suis adversaire des règlements de compte. Il te faudra énorme cul si tu veux t'asseoir sur les distributeurs. Attention, ça m'étonnerait qu'ils se laissent faire sans réagir. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout d'abord faire un exemple. Après ça, les autres nous lécheront les pieds. Il faut contrôler tous les coins de rue, tous les bars. Tous les restaurants doivent travailler pour nous. Ça doit être une vaste et sérieuse opération. Sale, tu vas sûrement avoir de la résistance. Certains vont prendre ça mal. Et qui ça, par exemple? Par exemple, Gardenia, qui a le Mayfair Club. Je le connais bien. Sa boîte est nette. On ne peut rien lui reprocher. Je t'assure, Sale, que tu ne vas pas t'asseoir sur lui sans danger. J'en ai maté d'autres, et des plus durs que ton Gardenia. Qui veut dire quelque chose? Est-ce que ça vous convient à tous? Je marche. Moi aussi. Je marche. Et moi aussi.
Non. Qu'est-ce qui te prend, Pasquale? Tu voudrais moraliser les trottoirs de la ville? Ah, pas de boniment, tu veux? C'est pas tant mes putes qui m'inquiètent. C'est plutôt toi. Est-ce que tu n'aimes plus le fric? Ah, si. À tel point que ça m'ennuie d'enfiler la moitié à quelqu'un. Et donc, je ne suis pas des vôtres. Une seconde. Assieds-toi. Parlons sérieusement. J'assure les dépenses, je vais tout organiser et ça coûte très cher. Vous n'aurez que le fric. Oui, peut-être, mais tu as l'air de disposer de la ville sans nous. Fais-moi peut-être une meilleure offre et je réfléchirai. J'ai déjà fait une offre. Tu prends ou tu laisses? Je laisse. Rien du tout. Tu es libre. Salut. Eh ben voilà. Ouvrez cette porte! Vas-y. Espèce de dégueulasse, tu vas le payer. D'abord, il faut se barrer d'ici. Il faut sortir. On ne peut pas rester là. Il y a sûrement un moyen. Tu sais, je n'aime pas ce genre de solution. Oh, pas tant de sensiblerie, tu veux? J'avais perdu un essai, puis après. Il nous faut dresser ce type, ton copain Gardenia. Et dès qu'il pliera, le reste suivra, tu verras. La note était salée ce soir. Vraiment? Non, je plaisantais. La bourse est morose ces jours-ci, ce n'est pas le moment de lâcher. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Mélina, tu viens? Je viens, oui, une minute. Où est ton gardien? Quelqu'un l'a déjà ôté. Bonsoir. Bonsoir. Zéna, tu dors seule ce soir? Et toi? Je rentre. Écoute, patron, je suis très fatiguée ce soir. À cette heure-ci, c'est normal. Il ouvre sa boutique. Mais attends-moi, bon Dieu, mais il est fou ce mec-là. Tu vas pas me laisser là, là? Oh ben quel con, ça m'étonne pas lui, avec ses plaisanteries. Ah si je le tenais, te lui foutrais. Quel con, ah, je te jure, quel con, faut toujours qu'il fasse le malin. Comme si j'avais ça... Eh, Andouille, t'es malade, non, ça va pas? Tu me fous la trouille à chaque fois. Il est con, non? Ah, je devrais lui foutre une de ses beignes. Un jour, il va me foutre un infarctus et moi, oh, je vais saigner. Oh, ta gueule, arrête de râler comme ça et rentrons. Ouais, bon, d'accord. Si on fait pas le con, alors pour une fois... Allez, roule.
conneries. Et mange ta pâté, toi. T'as pas besoin de régime. Tu n'as aucun souci à te faire. Tu dors, tu manges, c'est tout. T'as la belle vie, hein. Avec toi, dis donc. Je m'excuse, mais je sais pas comment on allume tout ça. Ben, c'est simple, tu appuies sur le bouton. J'ai essayé, mais ça ne donne pas grand-chose. J'ai payé tout ce bazar, j'ai le droit de savoir. C'est un reproche, tu regrettes? Ben non. Heureusement que je suis aussi amoureux de la décoratrice, tu sais. Sinon, je l'aurais foutu dehors. Ne force pas à sourire. Tu empestes le parfum à bon marché. J'ai horreur de ça. Es-tu obligée d'embrasser les clientes? Vraiment, tu sens quelque chose? Évidemment, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Bon, je veux dormir, si tu veux bien. Vous prendrez la voiture aujourd'hui, monsieur? J'en sais rien, petit. Eh, dites, un jour, je me mettrai aussi à un gardénia. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Gardénia? Tu veux embrasser mes godasses? Écoute, écoute ce que je vais te dire, mon pote. À l'avenir, n'essaie pas de nous ridiculiser devant tout le monde. D'accord? On n'est pas du genre à se laisser faire, t'as compris? Faudrait pas t'imaginer que t'es différent des autres. C'est pas toi qui fais la loi par ici, Gardénia. Tu peux faire une bise à mes godasses. Va te faire baiser, sale bourrique! Ah, t'es un vrai falingue, toi. C'est pourtant pas difficile d'être copain. Mais si tu veux pas, ça te regarde. Reste encore un peu. Non, je rentre. Oh, pourquoi? Ce serait sympa si tu restais. Tu profiterais de ma faiblesse. Oh, sûrement pas. Dis, si on remettait ça à plus tard. Faut jamais remettre à plus tard, tu connais le dicton. Je sais, oui. Tu sais que je ne te vois plus du tout depuis que tu es avec cette fille. Parce que je suis bêtement amoureux. Espérons qu'elle l'est aussi de toi, sinon tu perds ton temps. Ça, j'en sais rien. Faudra bien qu'un jour tu tombes sur quelqu'un qui te dresse. Elle a une petite chance. Ah, tu es là, toi. Dis donc, tu as perdu encore des dents, on dirait. Mon dentiste, il prétend que je devrais toutes les arracher. Il dit que ça me ferait paraître plus jeune, un dentier complet. Il pense que c'est pas si cher que ça. Je peux même te le payer, ce dentier. Fais-le. Mais jusque-là, arrête de sourire, s'il te plaît. Bon, alors, qu'est-ce que t'as trouvé? D'après mon enquête personnelle menée avec diligence et intelligence, comme toujours, tu as été attaqué par la bande des Siciliens. Ah, il semble que ces gars-là ne m'aiment pas, hein. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça, pour l'instant, j'en sais rien, mais on devrait pas tarder à le savoir. Essaie de savoir où je peux les joindre, ces Siciliens. C'est dangereux, non? Tu risques de dérouiller si tu vas sur leur terrain. Et attention, c'est des drôles de citoyens. En tout cas, je vais voir ça. Allez, et dépêche-toi. Ouais. Ben, heureusement que je suis là, moi. Allez, amenez-vous.
Ça m'étonnerait qu'il soit dans l'annuaire. Oh, je sais, mais je cherche mon numéro à moi. J'ai noté l'adresse d'un de ses gars et je l'ai laissé chez ma mère. Alors, je vais lui demander de me la lire au téléphone, comme ça on gagnera du temps. Mais j'ai oublié mon numéro. Je peux regarder? Bien sûr, tu peux. Je croyais qu'on allait. Chut, bon, ça va. C'est bon de savoir qu'on peut regarder un gosse sans avoir peur de s'attendrir. Je ne ferai pas ça avec n'importe qui, tu sais. Dis donc, patron, qu'est-ce que je fais, moi? Tu restes là et t'ouvres l'œil. Qu'est-ce que tu crois, hein? T'es venu ici pour être serveuse. Je peux faire de toi une vraie dame. Mais toi, il faut que tu payes le prix, tu comprends? Non, je ne veux pas, non. Non, mais c'est très bien d'avoir des scrupules, tu sais. Mais il faut pas exagérer, je t'offre l'occasion de faire un joli magot sans te fatiguer. Et tout le monde sera content, tu comprends? Non. Bon, ben ça suffit maintenant, hein? Tu feras ce qu'on te dira. Non, j'ai mieux sauté par la... Arrête, espèce d'idiote! Non, tu veux vraiment rien comprendre? Nanuzzo va t'expliquer en détail. Bon, ça te suffit peut-être, hein? J'aimerais pas trop t'abîmer, le commerce s'en ressent. Tu vas arrêter tes conneries, hein? Ne fais pas l'imbécile, fais ce qu'il te dit. Ah, mais ça te gêne parce que tu l'as jamais fait. C'est pas grave, ça s'arrange. C'est une affaire de pratique et ça s'apprend. Tu vas voir ce que c'est, tu veux, et puis tu le vires, hein. Bon, on reprend depuis le début. Alors, écoute-moi bien, hein. Tu vas comprendre, c'est très simple. Tu vas faire le plus vieux métier du monde, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire trois actes. Et toi, tu vas faire quoi? Hein? Est-ce que tu te sens prêt à régler tes petites dettes qui traînent? Ah, bah dis donc, toi, alors, t'es gonflé de venir ici, dans l'état où tu es. Si j'étais toi, je resterais peinard, et je m'achète en attendant. Fais pas le con, ça te mènera à rien de tirer. J'aime pas qu'on me donne des conseils. Et je te flinguerai si je veux. Va à l'hôpital, tu n'auras qu'à prétendre que tu t'es cogné. Il s'est fait avoir, hein. Pour une fois, tu as une bonne idée. Eh, c'est pour ça que tu m'aimes bien, hein. Bonjour, monsieur. Salut, Gino. Merci pour le boulot de mon frère. Hé, hey, mec. Attends un peu. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Oh, rien, un chat. Quoi? Mais je te dis que c'est un chat. Hein? Tu vois que c'est un chat. Tiens, il a sûrement très faim et très soif. Donne-lui du lait. Approche, viens. Assieds-toi. Désolé pour ce qui t'est arrivé.
C'est que je t'aime bien et je veux te donner un conseil. Si tu fais le malin, j'ai bien peur que tu ne fasses pas longtemps de vieux os. Je t'assure que c'était ta seule et unique chance. Sinon, tu vas te faire démolir à coup sûr. Pas question, je ne céderai pas là-dessus. Et puis d'abord, à quoi ça sert? Posséder des tas d'endroits pour trafiquer. Je sais, mais... Alors, c'est toi, Gardénia, hein? Oui. T'as pris une décision? Non, je sais pas à le faire. Vous rayez mon nom sur votre liste. Rien de tout ça dans mon restaurant. J'ai accepté de te voir pour faire plaisir à mon ami. Un point, c'est tout. Mais pour moi, tu n'es rien du tout. J'ai pas l'habitude de traiter avec des rien du tout. Tu saisis? Je ne peux pas me permettre de jouer ce petit jeu. Alors la réponse sera claire. Passez au large de mon restaurant. Tu devrais prendre des vitamines, alors. Ta vie va être très dure. Un de ces jours. Ils te descendront et ça ne me fera pas chialer. Ouvre la porte. J'ai bien compris, tu sais, mais c'est dommage. T'es jeune, t'es gonflé, t'as de l'avenir et puis tu vas te faire prendre à la gorge. Tu vois, de chaque côté de ce couloir, on peut voir ce qui se passe. En face et derrière, il y a des portes blindées. Et une fois pris au milieu, personne s'en sort. Personne ne sort en vie. Alors réfléchis encore avant de décider. Salut. Tu devrais ajouter du poivre. Romano, appelle un médecin. Oh, quelle saloperie, mon Dieu. Ah, on va te soigner, t'en fais pas. Ah, quel boulot on va avoir quand on va nettoyer. À ta sortie de l'hôpital, tu auras une cuisine toute neuve. Non, non, c'est foutu, je le sais, pour moi les spaghettis sont cuits. Merde, je les faisais bien. Dommage que ces salauds les aient gâchés. J'ai appelé un médecin, il arrive. Gardénia, oublie pas. Ton père disait toujours que... le secret de la restauration, c'est... le vin et... c'est également les clients. Il faut jamais qu'ils... J'ai entendu mon père dire autre chose. Si tu donnes un coup de couteau à quelqu'un, fais-le tourner. Sinon, crois-moi, ça ne sert à rien.
Tu es là. Je ne t'attendais pas si tôt. Me voilà. Je vois. Je vais à un concert tout à l'heure avec des amis. Mais tu me laisses seule. Je ne peux pas me décommander maintenant. J'ai mon billet, on m'attend. Mais tu peux venir aussi, tu sais. On n'est pas sortis ensemble depuis des mois, chérie. J'avais à te parler. Mais je viens de te dire que je devais sortir, on m'attend. Tu aurais dû me dire que tu venais. Ça ne fait rien. Qu'est-ce qu'il y a? Des ennuis? Non, tout va bien. Je rentrerai sûrement tard. Je ne croyais pas que j'allais te laisser. Pas question de sortir sans toi. Si tu veux sortir, il est encore temps, tu sais. Bon Dieu, ça fait rare passer. Allô? Colombo, ça va? Je sais, mais fais avec. Bien sûr, mais on n'a pas le choix. Mais tu n'as qu'à prendre Gino. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais que veux-tu que je fasse? Je dois être sur mes gardes, c'est tout. Voilà, au Nil Bleu, oui, tu connais. Je veux voir Myriam. C'est de la part de qui? Salut, beauté. J'étais sûre que tu passerais me voir tôt ou tard. Vraiment? Je savais que tu aurais à me parler. Mais comment ça? Tu m'as lancé un certain regard ce matin. Tu m'en as lancé un qui était pas mal. Et Saluzzo? Oh, il est très jaloux. S'il te voyait ici en ce moment, je pense qu'il te tuerait. Pourtant, je ne suis pas venu ici pour toi. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu draguer. Et tu crois que tu as une chance ici? Oh, je pense, oui, bien sûr. L'ambiance est super ici. Les palmiers, les sphinx. C'est idéal pour draguer, tu ne crois pas, chérie? Avoir pour rien si tu veux. Merci, mais ce ne sera pas toi. Tu as trop d'importance pour moi. Et puis tu es la propriété de mon ami Saluzzo.
ce sera mieux avec elle. Poppy Smith. Ça ira, oui. Poppy Smith. Je pense celle-là. Poppy, il veut te voir. Ne le déçois pas. Bonsoir. Tu m'emmènes à la cave? Exactement. Alors, chérie, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. Oh, le grand jeu. Tout ce que tu connais. Ou je t'embrasse, ou je te tape dessus. Ouais, corps un cinglé. Je peux aussi te caresser, ce serait sans doute gentil, ou alors te foutre des baffes. Jusqu'au moment où tu jouis? Non. Jusqu'au moment où tu vas me dire où je peux dégoter l'ordure qui a tué mon cuisinier ce soir. J'en sais rien, moi. Je suis pas au courant. Aïe, je t'assure. Aïe. Tu vis avec lui, je le sais. Avant, oui, mais c'est fini. Aïe. Tu dois bien savoir où il est. Et je veux que tu me le dises. Allez. Non, arrête. Non, je vais te le dire. Arrête. De toute façon, il me dira où ira aussi, alors. Il parle, allez. Je t'écoute. Où est-il? Il doit être chez ma sœur, 4 rue Del Grillo. Ah, tout se passe en famille, on dirait, hein? Allons, marche, marche! Allez, grouille. Je vous en tirerai pas comme ça! Ta gueule! Avance. Tu as tué un cuisinier innocent qui n'avait rien à faire dans tout ça. Il va falloir le payer. Ah, essayez de me toucher. Allez-y, vous verrez ça. Je ne veux pas te toucher. Vous êtes déjà sur la liste, vous. Vous êtes un condamné à mort, mon vieux. Il travaillait pour nous depuis 30 ans, tu sais. Un homme d'une grande bonté, jamais fâché, tu entends? Jamais il aurait fait de mal à une mouche. Il la mettait dehors pour qu'elle s'envole. Il disait que même les mouches devaient pouvoir exister. Mais toi, tu n'as de respect pour rien du tout. Tu tuerais un saint. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Fais un bon voyage. Non, non, ne faites pas ça, non, arrêtez, je suis trop jeune, je dirai tout. Non, tu ne peux rien m'apprendre, je sais tout. Je sais bien qui t'a payé pour ton petit coup tordu. Tu vas régler la note, c'est tout. Non, je ne veux pas mourir, non, non, relâchez-moi, non. Mais ton idée, c'est légal ou pas? Ça dépend de quel côté on regarde. Alors va-t'en. Gardenia, arrêtez ça! Non, je vous en supplie, non! Je suis trop jeune! Ah, ah. Revenez! Revenez! Ah. Je ne veux plus qu'on me parle de ce gosse, c'est compris? Ne me parle plus jamais du passé, chérie. Thank you.
quoi? J'ai pas d'idée. Quand on te fout en l'air 20 ans de ton existence, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, patron, on peut riposter, tu sais. Tu peux compter sur nous. Je sais, oui, merci, je sais. Mais je ne veux pas prendre de risques. S'il y a quelque chose à faire, je le ferai seul. Il y a quelque chose de marrant, là. Ça me fait penser à un dicton que disait Romano sur les types qui en disent trop. Bah, ça doit être un proverbe rigolo. Rigolo, je ne sais pas. Chinois, en tout cas. Ça dit que si tu as plus de deux testicules, n'en parle à personne. Laisse penser que tu n'en as que deux. Mais ça veut dire quoi? Que si tu es trop malin, on viendra t'en arracher une. Le mieux, c'est d'être ordinaire. Tu crois pas que le mieux, c'est de s'écraser sans rien dire? Pour l'instant, oui. Ne faites pas un geste. On verra dans quelques jours. Hé, hey, l'avocat. Oui. J'espère qu'on était assuré contre l'incendie. Ah oui, jusqu'à avant-hier. Et aujourd'hui? Non, mais je pensais renouveler ça demain. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Regina. Regina. Monsieur Caruso, il y a une réunion à côté. Ces messieurs vous attendent. Ah oui, j'y vais. Viens une seconde, Consuelo. Bonsoir, monsieur. J'ai fait le plan de l'attaque avec la place de chacun. Voilà la disposition des lieux. Les gardes se tiennent là, à l'entrée de la banque. Nous, on arrive par ici, avec l'ambulance. Là. Hé, hey, Consuelo. Réveille-toi. Vas-tu? Je vais me raser, tiens. Oh non, ne pars pas encore. Une minute. Docteur! Ah. Au secours! Sortez-moi de la voiture! Ça, c'est pas très grave. Ça va, attendez. Appelez une ambulance. Je ne vais pas rester assis par terre. Faites quelque chose. Tout est légal.
Allez, tu dors ou quoi? Allez, roule. Les mains en l'air, vite, c'est un hold-up. On l'avait espéré. Tu es ravissant. Laisse couper pas trop. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu danses le rock? Salut. Bonjour l'avocat. Bonjour. Pour les clients. Mais c'est Saluzzo, non? Saluzzo? Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Hé, hey, regardez qui est là. Oh, mais je vois que tout a été mis en place. C'est très beau. C'est encore mieux qu'avant, on dirait. Comment ça va? Très bien, merci. Grâce à quelques amis qui m'ont aidé. Que serait la vie sans nos amis? Allons, continuez, pressez-vous, pressez-vous. Pas de raison de s'arrêter. Le drame, c'est qu'avec les courts-circuits dans les lignes, on ne sait jamais quand ça se passera. On a beau se préparer, la surprise est totale. Et surtout si on y ajoute de la dynamite. Dis donc, je me suis dit que ça avait dû te coûter beaucoup d'argent, tous ces travaux. Il faut en avoir un paquet, hein. Faut dire que tu as une fameuse équipe et ça aide bien. Je suis venu te rendre visite pour voir si par hasard je ne pouvais pas t'être utile. Ah ouais, les gars? Je suis sûr que si. Merci. Ça me fait plaisir de voir que cette jolie maison est à nouveau ouverte aux clients, Gardenia.
Je me demandais si tu avais changé d'idée, si tu acceptais d'être en quelque sorte notre associé. Alors dans ce cas-là, tu aurais pour toi, disons 10%. Ah non, non, je perds la tête. Non, quelqu'un comme toi mérite autre chose. 20%. C'est généreux, Salozo. Je ne suis pas contre, a priori, je le reconnais, mais je dois en savoir plus, non? Quel genre de drogue? En ce qui vous concerne, de quelle manière la rentrez-vous? Te fais donc pas de mourant là-dessus, c'est arrangé. Tu n'as qu'à nous répondre oui ou non et tu seras aussitôt livré. D'accord? C'est d'accord. Parfait. C'est la meilleure façon de ne plus avoir de court-circuit. Tu pourras au moins nous dire ce qu'on vient faire à l'aéroport. Ben c'est vrai, on me pose des questions, tu réponds rien. Ben vous verrez. Dans le coffre de la voiture. Eh bien, va donc les chercher. Ah ben, allez, j'irai plus tard, hein, oh. C'est celui-là. Ah non, je crois pas, non. Mais comment ça, tu ne crois pas? Parce que c'est un avion spécial. Celui-là. Non, c'est pas ça. Oui, j'aimerais un peu de précision, hein. C'est pas celui-là? Non, non, non. Tu en es certain? Ah, c'est peut-être celui-là. Non, c'est pas ce genre de compagnie. Ah, c'est peut-être ça. Oui, ça doit être ça. Est-ce que tu en es sûr? Oh, bien sûr, je suis sûr. C'est le vert, là? Vert? Ah, ça l'est. C'est lui. C'est notre homme. C'est le courrier de Saluzzo, ça? C'est lui, oui, mais il n'est pas seul. Il y a sûrement quelqu'un qui l'escorte. C'est lui qui escorte le courrier. Mais qui escorte l'escorte, à ton avis? Mais toi, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous avez à parler là-dedans? Il n'y a même pas de papier dans vos WC cabinets, alors... Non, j'en ai mis il n'y a pas 10 minutes.
Est-ce qu'ils peuvent bien en faire de ce papier? C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'ils ont à casser la croûte avec? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, dis donc, eh! Et ils rentrent pas dans la valoche! Ah, puis tasse-le! Et gronde-toi! Ah, celui-là, quel supplice! Il ne comprend jamais rien. Il a le ventre plus gros que la tête. Couvre-le, nous continuons, allez. Bien. Ça doit pas aller bien dans la cervelle, on dirait. On a le ventre plus épais que la tête. Personne ne sait plus conduire. Mais regardez-moi cet abruti qui tourne à gauche. C'est quand même pas bon, un coffre à voiture. Est-ce qu'on roule en Chine? Pas encore comme ici, on fait du vélo. Non, je l'ignore. Je ne suis pas un Chinois, je suis Philippin. Je m'excuse, vous savez, moi, si on a les yeux un peu bridés, on est Chinois. Oh, la ferme, tu vas tout faire rater. Quelle andouille. Combien je vous dois? 35. 35 dollars? Mm-hmm. Normal. On est loin du centre et il y a le retour. Travail. Cette fois, on touche le gros paquet. Quand Saluzzo dit quelque chose, Saluzzo tient parole. Il y a de quoi faire au moins 1 000 000. Et il y en a autant en route. Hein. Ça, ça a l'air d'une affaire, oui. Mais j'aimerais que tu te souviennes de ce qui s'est passé déjà la dernière fois. Ah. Je ne veux pas me faire avoir encore une fois. Si tu veux, tu le fais examiner. Professeur. Cette fois, ce n'est pas du vulgaire bicarbonate. Ah. C'est du talc. J'en ai marre de ces conneries.
Ça fait un sacré bout de temps qu'on est là, j'aimerais savoir ce qu'on fait, hein. Ben, je suis comme toi, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pour l'instant, il nous faut attendre. On attend et voilà tout. Un homme qui passe, c'est toujours touchant. Toujours les petits qui payent. Après le meurtre des deux Siciliens connus de la police pour leurs attaches avec le milieu, une troisième victime a été retirée ce matin du fleuve. Il s'agit d'un ressortissant philippin qui était arrivé hier sur un vol en provenance de Bagdad. On suppose qu'il servait de courrier à des trafiquants de drogue. La police pense que la destruction du restaurant de la rue Rieno est liée au règlement de compte entre bandes rivales qui... Tu as l'air fatigué. Non. Tu n'as pas d'ennui? Rassure-toi, tout va bien, Zéna. Alors, comment ça va avec Regina? Ça va. Tu ne commences pas à t'en lasser? Non, pas encore. Et elle? Elle dit que non. Oh, et tu la crois? Oh, tu sais, les femmes, je connais. Qui sait si un jour elle te laissera pas tout seul? Je prends le risque. Rien ne dure pour l'éternité. Ce qui compte, c'est le bonheur aujourd'hui. Hé, patron, écoutez, on a pensé, mais sans vous offenser, que... C'est vrai, pourrait, on pourrait un peu partager... La poudre dans la valise, on voudrait pas... La moitié pour vous et la moitié pour nous, mais ça, oui, c'est une moitié pour nous, notre oui. bonheur. Hein. Je regrette, il n'y a plus rien. Oh non, mais rien que la moitié. Elle est à Fiumicino. À l'aéroport? Non, elle est dans la mer. Je l'ai foutue à l'eau. Les poissons vont être complètement défoncés. C'est anti-écologique, on risque des ennuis. Hein. Si tu continues à m'emmerder avec ton écologie, c'est toi qui auras... Non, mais pas non, mais non. Cette ville devient infernale. La vie est impossible, c'est dingue. Et toutes les vraies valeurs foutent le camp. Je ne t'ai pas parlé de ce qui m'est arrivé l'autre jour. On m'a fait des avances. Tu te rends compte? Quelqu'un a cherché à me séduire. Qui donc? Tu ne vois pas qui? Non. Essaie de deviner. C'est pas ce comte sicilien par hasard? Il se croit séduisant? Oh. Non, pas le sicilien, je te l'aurais dit. C'est un autre cherche. Qui donc? Ce serait Tony? Non. Alors qui ça peut être? Peut-être le français? Eh, ce serait assez dans ses cordes à ce fils de pute. Mais non. Il n'aurait pas osé courtiser la femme du patron. Gardenia lui a osé. À la sortie, il m'a parlé. Il m'a dit quelques mots l'autre soir. Gardenia. Oui. Et il te voulait quoi? S'offrir quelques instants de plaisir sur ton compte. Tiens. Il voulait me sauter, mais tu penses bien, j'ai dit non. Il me dégoûte. C'est un prétentieux et il n'est pas mal ambitieux, tu sais. Il déteste ton autorité.
Laissez-nous. C'est sympa d'être venu. Ah, je t'en prie. Alors, je tenais à ce qu'on discute tous les deux. Tu n'es pas un garçon comme les autres. Et ça serait dommage de nous battre. La ville est grande, mais pas assez pour deux. Alors, je me suis dit qu'on pourrait faire un accord. Une sorte d'arrangement à l'amiable. Tu sais, c'est toi qui as commencé. Ah oui, je sais, mais tu as riposté. Et tu as riposté méchamment, crois-moi. Non, tu sais, si je voulais, ça serait pire. Bon, essayons de raisonner en homme intelligent. N'agissons pas comme des animaux. Je mords, et puis tu mords à ton tour. Non, battons-nous pacifiquement. Dieu. Chacun sa chance. Tu gagnes. Je te donne ce que j'ai. Ça va? Même Myriam, si tu veux. Ben, dis donc, c'est cher. Par contre, si moi je gagne, tu fais aussitôt ta valise et tu nous laisses. On règle ça en gentleman. Qu'est-ce que tu en dis? Je disais que de toute ma vie, je n'ai encore rien entendu d'aussi con. Oh. Non, tu heurtes ma sensibilité. Bon, bon. En combien on fait ça? En une seule partie, d'accord? Sur la 12. La 10. Regarde. Joli, non? La 7 maintenant. 4 bandes. La 8. La 6. Oui. 11. Joli coup, je rejoue. À combien est-ce qu'on est? Tu devrais savoir. À 3. À toi. 13 et 11. Saluzzo, à 59, il te reste la 15 à mettre dedans. Il reste aussi la 9, mais c'est insuffisant.
Si tu mets les deux, tu emportes le paquet cadeau, attention. À toi de jouer. Si tu rates ton coup, c'est terminé, Gardenia. On se dit adieu. Tu as un sacré pot. Tu as gagné. Je dois reconnaître ma défaite. Tu me laisses 48 heures, au moins. Tu fais tes mal et je te conduis à la gare. Est-ce qu'elle vient maintenant ou bien je passe après? Elle sera libre dès que je partirai. Alors attention, prends-en bien soin surtout. Elle est à moi maintenant. Pasquale, montre le chemin, monsieur. N'écris pas, c'est pas la peine. Comme ça, c'est emballé. Bien joué. Ah, ils partiront tout à l'heure avec les ordures. N'oubliez pas ça. Merde, alors c'est lourdingue, Hitler. Oui, t'as raison. Non, tu sais très bien que c'est non. Quand on veut monter une organisation qui tienne, il y a des problèmes. On ne peut pas espérer que tout marchera comme on veut. Ben oui, mais ça fait des mois que tu nous dis ça, et depuis des mois, on ne voit rien venir. Ça viendra, je vous l'ai dit, soyez patient. Je crois qu'on l'a été patient. Tu sais qu'aucun de nous n'aime la drogue. On l'a fait parce que tu prétendais que c'était du gâteau. Mais il est lourd à l'estomac, ton gâteau. Méfie-toi, Salouz. On va peut-être se fatiguer de l'inaction. On en a marre. De t'en regarder menacer, Gardenia. On n'a pas fait un rond. On n'a pas bu un gramme de dope depuis que tu nous as réunis. Rien, rien, rien que des discours. On boit et on fait des discours. Moi, j'ai mieux à faire, si tu veux savoir. Sans doute, mais ça ne résout pas les problèmes. Et puis, il y a eu des tas de morts, déjà. Tu sais où il est le problème, Salouzzo? Tu t'es trompé de boulot, à mon avis. T'aurais dû faire croque-mort, t'aurais fait fortune. Si vous ne voulez pas continuer, à vous de choisir. Je me passerai de vous. Sale. Écoute. Je t'écoute. Toi et moi, on se connaît bien. Oui. Tu te souviens, il y a quelque temps, tu parlais d'un tas de petits voyous qui travaillent seuls, et sur lesquels tu voulais mettre la main, tu sais? Oui. Tu te souviens? Oui. Alors, laisse-moi te dire, en ami, que tu es à ton tour aussi petit que ça. Et qu'on pourrait aussi, un jour ou l'autre, te prendre en main. Il faut que tu ne perdes pas ça de vue. Hein. Mmh.
D'accord. C'est bien de me le dire. Je vais liquider d'abord celui qui m'embête le plus. Je veux bien, mais il faut que tu fasses vite. Je le sais. Si tu ne te presses pas d'avoir Gardénia, c'est lui qui te va t'avoir. Oh, pardon, monsieur. Si tu veux un jour en porter une, mieux vaut que tu regardes devant toi. Sinon, tu ne vivras pas vieux. Tu te cogneras la tête. Salut, je suis là. Tu vas changer de bureau? Oui, oui. Tiens. On va finir par croire que je vis de la mendicité. Pas de fantaisie, hein, tu coupes ça régulièrement. T'en fais pas, je vais te couper d'une oreille à l'autre. Et moi, je te plombe le ventre. Si tu n'as pas envie d'y laisser tes os, recule. Tel pauvre type. C'est pas de veine. Tu appelles les flics. Ils se chargeront du macabé. Tu n'auras à t'occuper de rien. Voilà le méfaire. Fermé pour le week-end. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous dire où est Gardénia, et tu t'en vas. Mais j'en sais rien, moi, il m'a pas dit où il allait. Je l'ai pas vu depuis au moins un mois, je vous assure. Tu nous dis tout de suite où il est et tu rentres chez toi. Sinon, tu vas avoir affaire à lui. Mais puisque je vous dis que j'en sais rien. Disons que tu as oublié, c'est tout. Alors on va te rafraîchir la mémoire, c'est facile. Non, 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 je sais rien, non, non, non. Ça y est, maintenant? Je sais pas où il est parti, le patron. Non, non, ah, je peux rien dire, je ne sais rien. Ah, non, 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 je vous jure, je sais pas, c'est vrai, c'est vrai. Ah, non, aïe, aïe, il m'a griffé, ah, oh, ah, 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 ah. Ah non, lâchez-moi, non. Alors? Je sais pas, je vous le jure. Ah non, je sais pas où il est, non. Non, non. Où est Gardénia? Gardénia, il est... Il est dans une caravane blanche. Où est-ce qu'elle est? Par là. Où c'est par là? Ça, j'en sais rien. À parole, je sais pas où. Il doit changer de place. Moi, je sais rien. Ah, si tu avais parlé immédiatement, tu n'en serais pas là. Ça t'avance à rien de faire le malin. Tu n'auras pas de médaille, tu sais, c'est pas la guerre. Ah, m'en veux pas, patron. Il m'aurait fait bouffer. Tu as été héroïque. Je ne t'en veux pas du tout. Mais peut-être que la lionne t'appréciait. Tu l'as privée d'un repas gratuit et en plus un repas très copieux. Il faut être bon avec eux, tu sais. Mais qui sait? Ce sont des êtres qui sont comme nous, non? Gardénia, tu déconnes, patron, ou tu parles sérieusement? Qu'est-ce que tu crois, ils parlent sérieusement? Écoute, ce qui compte pour l'instant, c'est qu'ils ignorent où on est. Ah ben nous, je lui ai dit... Que t'étais dans une caravane. Ça ne fait rien, il y en a des centaines. Non, c'est rien, il ne trouvera pas où on est. Saluzzo, je m'en charge. Tu comprends, il ignore où je suis, mais je sais moi où il est pour le moment.
est à plat, patron. Alors tu répares et fais vite. Mais on n'en a pas pour longtemps, patron. Bon, alors dépêchez-vous. Je vous attends. Où sont les boulons? Ah, oh, les vaches! T'es tout seul, Saluzzo. C'est fini. Il vaut mieux lâcher ton revolver, sinon tu es mort. Faut jamais se fier aux apparences. Hé hey, ben qu'est-ce qui te prend, patron? Tu pleures? C'est les oignons. Ah ouais. Puisque c'était ici. Alors, comment ça va? Ça roule tout seul, et toi? Moi, ça va bien également, en particulier depuis que j'ai perdu Saluzzo. Disons que tu n'as pas trop aidé à ma réussite.
Ah, pourtant, je t'ai aidé. Rappelle-toi bien le jour où tu as traversé le petit couloir. Et bien, ce jour-là, sans moi, tu étais tué sans la moindre chance d'en sortir. C'est juste, je dois bien l'avouer. Alors, en échange, tu veux quoi? Mais la paix. Ça marche. Ciao. Bonsoir, toi. Comment ça va? Bien, et toi? Oh, bien aussi. Je voudrais te présenter mon mari, Massimo. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes gardenia. Regina m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Qu'est-ce que vous allez nous servir ce soir? Oh, rien. Le cuisinier, lui, vous le dira. Très sympa. Viens, chérie. Je peux aller dire bonsoir à ton cuisinier? La garder? Si tu veux, oui. Je t'aime toujours autant, tu sais. Ça m'avance à quoi? J'ai envie de faire l'amour maintenant. Viens, non. Je regrette ces noms, Regina. Mais c'est un autre soir. Monsieur Gardenia, vous voulez la voiture? Je préfère marcher. Mais prenez-la, il est tard. Achète-toi un cheval. Ah, il faut que j'apprenne l'équitation. Où tu vas, toi? J'ai rien à te donner. Allez, va. Mais à qui es-tu? Allez, saute un peu. Hermis-toi. Tu vas par là? Je vais par là. Allez, salut. Rien à faire d'un chien. Trouve-toi un autre maître. J'ai besoin d'un cheval, moi, pas d'un chien. T'as l'air de rien comprendre du tout, hein? T'as la tête dure. Comment je vais expliquer ça à mon chat, hein?